cinétique activée. Scanner endommagé. Réparation requise. Jetpack de propulsion aérienne activé. Multi-outils et accessoires laser d'extraction opérationnels. Séquence d'initialisation de l'utilisateur terminée. Et bonjour à tous, je suis Bloodrum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur No Man's Sky. Et No Man's Sky pas Vanilla, donc que j'ai légèrement modé. Alors tweak graphique, tweak de gameplay un petit peu. Et on va s'amuser là-dessus, on va essayer de faire quelque chose de dynamique. J'ai bien rushé le jeu, j'ai au moins 200 heures dessus environ. Donc je le connais par cœur, c'est un jeu qui est beaucoup décrié par son ennui, sa répétition et tout ça. Mais, alors on va aller prendre tout ça, mais moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a du charme, qu'il est plein de poésie. Et eh bien on va en profiter, on va faire ça ensemble. Je sais qu'il y a déjà d'autres let's play de d'autres youtubeurs, mais moi j'ai envie de faire mon let's play à ma manière. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire ça... Très dynamiquement. Et c'est parti, on va déjà hop ouvrir ça. On va se concentrer sur l'Atlas d'abord. Donc la réalité semble se recourber sur elle-même. Un instant je vois des débris, puis l'autre un grand orbe rouge, presque trop grand et trop éblouissant pour qu'on puisse le regarder. Il me connaît de fond en comble, mieux que je ne me connais moi-même. Est-ce là le visage de la création elle-même? De la création elle-même d'ailleurs. Ou bien, à peine réveillé et troublé, suis-je manipulé? Un nom incandescent pénètre dans mon esprit, Atlas, ainsi qu'une demande inexprimée, que je suive la voie que cet être, cet Atlas, a prévue pour moi. Accepter l'orientation de l'Atlas. J'accepte l'orientation de l'Atlas. Je me sens recouvert d'une émanation d'information. J'étais perdu, mais on m'a retrouvé. La tasse reconnaît mon intelligence et je retrouve la certitude qu'il ne manifestera bientôt. J'ai pas eu le temps de lire. C'est pour ça que je lis vite, parce que je sais que j'aurai pas le temps de lire. Voilà, alors, c'est parti. Du coup, donc, inventaire. Nous avons besoin de... Non, déjà d'une. On va activer... normalement, je dois... Je sais plus où c'est. C'est option... Activer le contenu supplémentaire, activer le contenu, on est bien, comparer, accepter, voilà, on est bien, on s'en fout du reste. Même les trucs d'ailleurs, j'aurais pu les transférer, mais on s'en fout. Alors, ensuite, donc, on va aller se balader un petit peu. D'abord, je crois que si je dis pas de bêtises, à Multitool, ici même, nous devons avoir... donc c'est des isotopes, oui, nous avons besoin d'isotopes. Alors là, on n'en a pas besoin pour l'instant. Ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre du carbone, on va prendre un petit peu de tout pour l'instant. On tombe, alors j'ai pas cherché à avoir une bonne planète dès le départ. On tombe directement sur un truc, bon, voilà. Hein, on fait... Je fais avec ce que j'ai. Une planète où on se les gèle. Alors vous voyez, j'ai enlevé tous les filtres, genre Instagram, tout ça, sur l'image, que je trouvais ça dégueulasse. J'ai augmenté un peu la qualité des textures, je sais pas si ça se voit là. Nous sommes donc en 1080p, nous sommes à... là je suis à 50 fps, bon, mais la vidéo sera en 60. Et nous allons commencer à choper des trucs. Alors, ah oui, le scanner est en état critique, d'accord, il faut le réparer, carbone, ah oui, puis c'est bon, on peut le réparer là. On peut le réparer, alors le scanner, hop, scanner réparé, ensuite il faudra du fer aussi, alors, hop. Tac tac, on va prendre un peu de fer, alors c'est parti, qu'est-ce que nous avons là-bas? Les icônes aussi je les ai changées un petit peu, j'ai fait ça comme ça, voilà, on prend un peu de machin, voilà, alors, nous allons aller par ici, parce que nous allons avoir besoin de zinc, ça c'est sûr, nous allons avoir besoin de la flore, ouais, de bouclier, ah, très bien, alors, ici, en là-bas il y a encore du zinc. Voilà, alors comme je vous ai dit, on va vite. Voilà, on essaye de... Comme le jeu est un peu ennuyeux... Alors on va... Enfin un peu ennuyeux...
C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup, mais après il faut aussi. Disons que c'est une histoire de répétitivité, quoi. Voilà, c'est un peu répétitif, mais enfin, je trouve que il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de merveilles à explorer. Là, le jeu chez moi, il fonctionne très très bien. J'ai une 780 Ti et ça fonctionne très bien. Hop, on va aller. Ah ouais, la visière, mince. Ah mais la visière, il faut que je la répare déjà. Alors, on va aller choper du fer par là. Hop. Nous sommes à la version du jeu 1.4. Je crois que c'est la dernière version du jeu. Hop. Flore, ça on s'en fout, santé maximum. Alors, ici. Multi-outils. Non, c'est pas ça. C'est combinaison visière. Je crois que c'est ça. Ah, mais je l'ai pas. Ah non, c'est un multi-outil. C'est ça. Oui, multi-outils, visière. Non, elle est où cette putain de visière? Ou alors il faut que je la découvre. C'était pas combinaison. Il me semblait que j'avais la visière. Ah, non, attends. Je sais plus où c'est qu'il y a la visière. Ah, mais si la visière elle est là, je suis con. Voilà. Voilà, comme ça on va pouvoir. Hop. Voilà. Les animaux, on les renommera seulement si. On peut se marrer avec le nom. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, on cherche, on cherche. On va aller par là-bas. Il y a du silicate. Il y a du silicate, système de survie faible. C'est pas grave, je veux du zinc, ça va nous servir. Le silicate, je pense aussi. Ça, on s'en tape. Hop. On va aller chercher encore du zinc là-bas. Alors j'ai pas eu le temps de lire le. J'ai pas regardé dans quelle situation était la planète, au niveau des sentinelles et tout ça, la faune, la flore. Bon, il y a d'avoir ce qu'il faut, mais enfin, on sait jamais. Là-bas, il y a un minerai. Hop. Voilà, hop. Mais on va pas y aller. J'ai pas envie de trop m'éloigner du vaisseau. On va réparer le vaisseau au taquet et après on verra. Hop, qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est du carbone, on s'en tape. Putain, j'ai cru que c'était un minerai, ça. Caillou rouge, comme ça. Hop, alors. Ici, nous avons là, je l'ai vu. Hop, hop. Allez, hop. Du tamium. Je le prononcerai pas à l'anglaise parce que je vais être ridicule. Le tamium. Tamium. Hop. Ici, ça c'est mono. Voilà, alors, vaisseau. Nous avons ici feuille de silicate. Alors, fabrication, feuille de silicate. Ah, il nous faut du fer, il nous faut beaucoup plus de fer que ça. Et ici, il nous faudra de l'iridium et des feuilles de karité. Ou de karite, je sais pas comment on dit. Zinc, ok, d'accord. Alors, il faut aller choper du fer, beaucoup de fer. Là, il y a beaucoup de fer. Donc, dans un premier temps, on se concentre sur l'Atlas. Et en second, déjà ça va nous prendre beaucoup de temps, les épisodes seront beaucoup plus longs, je pense, mais j'essaierai de faire des chapitres, donc des points de passage que je mettrai en description, comme ça, voilà, comme ça on aura de quoi, vous aurez de quoi vous y retrouver, si vous avez envie de passer à un endroit en particulier. Moi je préfère enregistrer des vidéos plus longues, parce que ça me permet d'avoir déjà des séries plus petites, plus courtes, mais surtout, comme moi j'ai envie de jouer, et qu'en général quand je joue tout seul, je joue genre 4-5 heures d'affilée. Hop, désolé, petite coupure, il suffit que je dise ça pour que ça plante, mais c'est bon, c'est pas grave, j'ai réglé le problème, ça devrait plus planter. C'est parti, on se retrouve exactement au même endroit, ne vous inquiétez pas, c'était l'affaire de 2-3 secondes. Alors, on continue notre recherche. Donc il nous fallait du fer. Le fer, est-ce que j'en ai assez pour faire de la feuille de karite? Non, c'est pas ça que je veux. Hop. Hop. Ox. Et voilà, technologie réparée. Ensuite, iridium. Donc feuille de karite, il nous en faudra encore deux. Donc il nous faudra encore du fer. Il nous faudra trouver de l'iridium. Alors ça, je crois pas que ça en est là-bas.
Là-bas, il me semble pas que ça se gueule là, quoique on peut essayer d'aller voir. Tiens, il y en a un là-bas, on y va. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons. J'ai entendu des. Alors, ah merde, protection thermique. La 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 la. Exo machin. Hop, merci le zinc. Alors, allez, pour l'instant, j'ai pas de protection thermique. Ça risque d'être compliqué. Ouais, je voulais faire ça. Voir s'il n'y a pas des. Des animaux avec un Z. Je vais aller prendre le bordel là-bas. Aïe. C'est pas grave. Allez, cours, cours. Hop là. C'est parti. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, là. Il y a un animal. Il y a un animal, on dirait un. Oh merde. Il faut pas que je lui tire dessus. Allez. Qu'est-ce qu'il a? Un Novato, un Bladicé Novato. Énergie, système de survie, c'est un dépôt de ressources détecté. What else? What is it? Ah, dépôt d'iridium. Ah, mais voilà! Ah ouais, mais alors 7 minutes. Voilà, oh, mais vas-y. Demain, quoi. Là, c'est quoi qu'il y a ici? Le ciel est violet. Par contre, le ciel a une texture de merde. Toujours. Ça change pas. De l'or! Ah putain. Faut voir, j'ai quoi dans mon exo combinaison là? Ah, il me reste un peu de place. Ah, je vais me faire un peu d'or parce que ça va nous servir un peu d'argent. Par contre, les trucs, les carrés, les cubes, la grille là, ça aussi c'est un peu dégueulasse. Mais enfin, c'est pas grave. Moi, je trouve que le jeu est déjà beaucoup plus beau. Hein. Un peu tweaké là, un peu modé, c'est déjà un peu plus la classe. En enlevant un peu les filtres à la con qu'ils ont mis d'origine là. En rajoutant des petits icônes HD et tout, c'est bien plus sympa, il me semble. Alors ouais, ce jeu, voilà, ce jeu subit une grosse polémique, pardon, à sa sortie. Ah, arme déchargée. Hop. Ouais, voilà. Donc du coup, ouais, je pense que c'est surtout parce qu'il, voilà, il. À mon avis, ça va faire un peu comme Star Citizen. Même si, honnêtement, il faut pas du tout les comparer. Parce que souvent, j'ai vu des avis où les mecs comparent Star Citizen à No Man's Sky. Mais alors, il n'y a rien à voir à comparer, quoi. Parce que No Man's Sky, déjà, c'est un jeu donc de science-fiction, toujours. Donc, mais le problème, c'est que c'est un jeu très arcade, quand même. Il s'est jamais dit simulation et bon, quand il joue, tu comprends de suite que c'est pas de la simulation, quoi. Alors que Star Citizen, au contraire, c'est de la simulation pure. Donc la comparaison ne peut pas être faite, quoi. C'est vraiment non, c'est pas possible. Et voilà, déjà d'une. Donc c'est clair que les mecs qui s'attendaient à un truc à la Star Citizen, mais non, c'est pas possible. De plus, il y a quand même un côté. Moi, j'appelle ça, c'est un jeu d'auteur. C'est-à-dire, c'est un jeu qui est qui a du fond quand même. C'est un jeu qui a du fond, qui raconte une espèce d'histoire un peu voilà, poétique. C'est un peu une poésie, ce jeu. Mais voilà, malheureusement, la poésie, ça fait que il n'y a pas des poupou bam bam tout le temps. On se tape pas sur la gueule. Bon voilà, le jeu est simple. C'est voilà, c'est un jeu d'auteur. Comme on pourrait avoir un film d'auteur, voilà, ben c'est un jeu d'auteur, quoi. C'est voilà. C'est un jeu qui est un peu lent ou un peu répétitif et tout ça, mais il faut essayer, réussir et avoir envie d'apprécier l'univers et d'apprécier tout ce qu'il raconte. C'est un peu. Je sais qu'il y a plein de monde, par exemple, qui se ferait chier sur un 2001 l'Odyssée de l'espace, le film. Ça c'est clair. Et ben voilà, mais ce jeu c'est un peu 2001 l'Odyssée de l'espace, quoi. C'est-à-dire que si tu t'accroches pas, si t'apprécies pas le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire une espèce de film poétique avec une certaine ambiance et tout ça, mais tu c'est clair que tu te fais chier, quoi. Tu l'apprécies pas, quoi. Et tout le monde s'attendait à un jeu un peu plus dynamique et tout ça, et voilà ce qui se passe. Mais moi, je l'ai très, j'ai beaucoup apprécié.
Donc voilà, bon, on en a fini avec l'or, on va pas aller plus loin. Protection thermique, je suis à la ramasse. D'ailleurs ça je peux pouvoir le... Voilà. Est-ce que j'ai encore du zinc? Ah, j'en ai un petit peu. Par contre il va m'en falloir encore. Alors. Je prends beaucoup de plutonium parce que ça c'est une ressource. Tu n'as pas... C'est quoi ça? Ah mais c'est encore du plutonium. Bon, c'est bon. Ici. J'aimerais ne pas trop m'éloigner quand même. Voilà. Je prends beaucoup de zinc parce que... Comme j'ai pas de protection thermique, voilà, ma protection, mon exosquelette, ma protection, ma combinaison plutôt, ma protection de combinaison tombe assez vite. Comment on dit ça? Protection environnementale, pardon. Donc voilà, je vais faire ça comme ça. Ici, nous avons, ah oui, nous avions besoin d'iridium. L'iridium que j'espère pas trouver sur cette planète, ou alors on se barre un peu plus loin parce que là on va pouvoir quand même réparer le vaisseau, il me semble. En tout cas je pense qu'il est déjà bien réparé. Ouais, il y a tout qui est réparé sauf l'iridium. Ah oui, mais là je suis trop loin pour réparer. Ok, j'ai du plutonium sur moi mais j'ai touché trop loin. Bon, et on va aller on va retourner au vaisseau. Voilà, on va prendre le tanium là, le tomium pardon. Hop, voilà. Énergie, système de survie faible. Hop, combinaison. Ici. Vas-y, balance-moi ça. Hop. Voilà, j'ai aussi tweaké un peu voilà, le clic là, qu'il fallait rester appuyé quand on est dans le menu et tout ça. Ça, c'était un peu chiant. Donc, je l'ai tweaké histoire d'aller plus vite. Donc, maintenant, plus besoin de rester appuyé. Un clic suffit. Hop, et on fait toutes les actions possibles. Et ça, c'est la classe aussi. Et j'espère qu'avec le temps il y aura des mods, parce que je pense que, à mon avis, la communauté, parce que je pense qu'il va y avoir quand même une certaine communauté, même si la plupart ont été déçus, je pense que c'est un jeu qu'on aime très fort ou qu'on aime pas du tout. Ça c'est clair qu'il n'y a pas de compromis quoi. Et c'est pour ça que si la communauté s'en mêle, eh bien, on risque d'avoir un gros contenu bien sympathique dans ce jeu, je pense. Suffit, c'est une question de temps, et je pense aussi que les développeurs, même si niveau communication, voilà, le prix du jeu déjà à la base, moi c'est un jeu qui coûte 30 euros, c'est pas un jeu qui coûte 60 quoi, ça c'est clair. D'un point de vue aussi communication, comment ils communiquent, alors ils font style, ouais, il y a un multiplayer, puis après ils disent mais non, il y en a pas, fait tout ça. Alors ça c'est, pour moi c'est quelque chose de pas cool quoi, et quelque chose qui ne sert pas le jeu quoi, mais vraiment pas le jeu quoi. Ça c'est clair que... Alors, mon vaisseau, il est là-bas. Ça c'est putain un pilier de fer, tu mets 20 ans à le miner celui-là. Hop, un petit peu de zinc, on continue. Ah mais il y a une... Attends, mon vaisseau il est bien par là, ah ouais. Attends, il a combien de bornes? 1 minute et demie. On peut pas l'appeler là, y a pas une borne pour l'appeler ici. Parce que sinon on va l'appeler. Hein. On va s'emmerder. Hop. Si messieurs, voilà. Alors j'ai pas mis, y a un mode pour faire en sorte que les discussions aillent plus vite, parce que c'est vrai qu'elles sont un peu longues parfois. Et je l'ai pas mis. Alors on verra si c'est trop long. Voilà, ici il faut une puce de piratage que je vais pas créer tout de suite. Je vais regarder s'il n'y a pas un point de... Ah non, il n'y a pas de point de... Pour appeler le vaisseau, ça a pas l'air. Ça a pas l'air. Ça a pas l'air, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors... J'ai l'impression qu'il y a que dalle. Ah, et en plus je remonte ma... Ah oui, j'étais bas en plus. J'avais l'air d'être bas en protection environnementale. Mais on va rester là, histoire que ça remonte. On ressort. Allez, oula, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons? Alors, concentrateur rayon, traitement plus rapide des matériaux riches en ressources. Ça, c'est intéressant. Ici, nous avons quoi? Santé maximum, on s'en fout. Hop, là le siège à la con.
Ici, des crédits, 166, on va pas aller loin avec ça. On va pas aller loin avec ça. Bon, on se casse. On se casse, on se casse. Le vaisseau, il est là-bas. Planète enneigée, j'avais pas vu ça souvent quand même. C'est dans mes 200-300 heures de jeu, j'ai pas vu ça énormément. Là, il y a des trucs à choper. Là, il est comment lui? Ouais. Alors, ici, voilà. Je me suis dit, je me doutais que j'allais tomber vite à la matière pleine. Normalement, on doit être assez près du vaisseau pour foutre des trucs dedans. On va pouvoir même le réparer direct. Faut le réparer, le charger. Non, pas celui-là. Ça, c'est sûr, je peux pas charger tout de suite. Là, voilà. Alors. C'est bon, hop. Qu'est-ce que nous avons dans le coin? Est-ce qu'il y aurait pas, par exemple, des stèles de connaissances, là? Des stèles pour... Je vais aller rechercher un peu de zinc. Tiens, il y en a beaucoup, là. Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors, ouf, la flore... Bon. La flore, on va passer. La flore, on va passer. On fait ça. Hop, voilà. Tout 5. Un petit peu de 5. Ça va. Toi, dégage. On va essayer de technologiquement s'améliorer à base de courses plus rapides et de... Et aussi de jetpack plus long. Hop. Hop. Même si on va récupérer en l'air, ça peut toujours servir. Pour recharger les batteries. Hop. Ah, il fait jour. La nuit est passée. Wow. Tac. Donc le jeu est fluide. Alors j'avais un souci. Que je sais pas si j'ai réglé en faisant la mise à jour. J'avais un souci. Et ce souci c'était... que eh bien au bout d'un moment, au bout de 30 minutes, 45 minutes, mon jeu frisait à mort, c'est-à-dire que voilà, ça FPS chute, grosse chute de FPS, et puis derrière, eh bien derrière t'es dans la merde quoi. Normalement on peut. Pourquoi état critique? Ah merde, c'est celui-là en plus que j'ai besoin de. Oh merde pulso... Mais non, c'est pas le pulseur réacteur. Ah mais je peux pas bouger tant que j'ai pas réparé le pulseur réacteur quoi. Donc, d'accord. Démerde-toi comme tu veux. Faut aller choper. Oh la vache, mais il est vachement loin. Dépôt d'iridium, 6 minutes. Mais non, il y en a plus près, non? Oh la vache. Ça, tout ça, c'est du silicate, c'est de la merde. Oh la vache. Et il y en a que là-bas. Il n'y en a pas. On peut pas en choper. Putain. Bon, j'ai bien peur qu'à mon avis, il n'y en ait que là-bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite coupure. On se retrouve dès que je suis devant, ou alors dès que je reviens au vaisseau et que j'ai tout ce qu'il faut. Comme ça sera plus tranquille pour vous. Allez, à de suite. Bon, voilà. J'ai trouvé de l'iridium un peu plus près que prévu. Donc du coup, là, je retourne au vaisseau. Je suis à côté, je suis pas loin. J'ai acheté quelques technologies... Et j'ai réparé ce qu'il fallait normalement. Là, on est bon. On est bon, on est bon. Hop. Et voilà, c'est parti. On se casse. On va aller visiter un peu, voir un peu. Alors, il y a un peu d'aliasing parce que j'ai enlevé l'aliasing pour que ce soit un peu plus rapide. Après, je pourrais augmenter les textures, la qualité des textures pour... Enfin, la qualité de résolution des textures. Afin d'avoir un peu moins d'aliasing, je pense que ça peut se faire. Hop, on va s'arrêter ici au pif. Voir ce qui s'y trouve. Ça, il a l'air d'avoir que dalle ici. C'est la merde! Ah mais non, voilà, parfait. C'est même parfait. Il nous faut, c'est tout ce qu'il nous faut. Oh putain, en plus on va miner l'or. C'est de l'or ça, je crois. On va miner l'or et on va le vendre direct. Voilà ce qu'on va faire, les amis. Voilà ce qu'on va faire. Alors, ici. Je m'en fous. Vendre.
Donc, ça je vends, ça je vends, ça je vends. Le reste, iridium, platine, machin, tout ça, le fer, je préfère le garder pour l'instant. Je préfère le garder. Ce que j'aurais aimé faire par contre, c'est... Ah, le multi-outil, mais putain, le multi-outil, je suis full. Je suis full, 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 full. Tant pis. Alors, on va miner cette grosse, ce gros caillouche. Alors, la petite astuce quand on mine, c'est quand le... Quand le multi-outil est dans le rouge, alors là, bien évidemment, ça je déteste ce truc-là. Ce truc-là me fait chier. Parce que ce truc-là, il enlève tout le l'HUD. En plus, je peux plus cliquer nulle part, c'est la merde. Donc, je disais, petite astuce, c'est que quand on mine, voilà, le multi-outil, quand il est full chaleur, hop, je relâche et je rappuie direct. Ça permet de pas avoir d'attente. Si je reste sur le multi-outil full chaleur, au bout d'un moment, voilà, il surchauffe. Et là, je suis obligé d'attendre avant de reminer derrière. Donc là, je lâche, je reclique direct. Et ça repart de zéro. Vous voyez la petite barre, elle repart de zéro. Ça, c'est la petite astuce pour miner un petit peu plus vite. Voilà. Ah, bah des fois, j'oublie. Comme là, par exemple. Voilà. Allez, vite, 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 grouille-toi. Pas que ça va foutre. Donc visiblement les sentinelles ne sont pas très... dangereuses, fâchées, tout ce que vous voulez. Hargneuses. Protection terminée. 75%, ça devrait aller. Putain, j'ai foutu encore de... Ah merde, arme déchargée. Alors je me décharge, vas-y. Envoie du plutonium. Donc objectif Atlas. Objectif Atlas. On va essayer d'apprendre le plus de mots possible. De trouver le plus de stèles ou de choses comme ça possible. D'artefacts et tout, tout, tout. Mais il faut se faire un peu aussi d'argent parce qu'on va essayer de vite changer de vaisseau. De vite changer de multi-outil. Enfin ça coûte pas forcément beaucoup d'argent à comparer au vaisseau. Le plus loin que je suis allé en vaisseau, à savoir, j'ai déjà acheté un vaisseau à plus de 150 millions de crédits sur ma partie solo que j'ai fait avant. 150 millions. Le truc il avait 40. Je sais plus j'avais combien. 48 emplacements je crois. C'est comme ça. 42 ou 48, je sais plus. Voilà, donc ça c'est le petit spoil qui va bien, mais il y a moyen d'avoir des vaisseaux énormes et super chers. Et croyez-moi, 150 millions, eh ben t'en farmes un moment de l'or et de l'éméril. Alors, t'es parti, on va vendre l'or. Voilà, comme ça nous fait un petit budget, 135 000. C'est un bon début, c'est un petit début qui va bien. Sans prétention. Ah, par contre, on va peut-être acheter... Alors attends... Des suspensions, je sais pas quoi là. Ils en ont de ça? Attends, j'ai mis vendre ou acheter là? Acheter. Fluides de suspension. Ah, ça, il va nous en falloir ça. Attends, si je dis pas de bêtises, je vérifie quand même. Je crois que c'est ça. Je vérifie quand même. Normalement, c'est ça. Ouais, je suis toujours très prudent moi là-dessus. Il va nous falloir réparer cette connerie là. Non, c'est pas réparer, c'est pour le propulseur, voilà, le machin là. Voilà, il va falloir des cellules à distorsion qu'on ne sait pas faire encore. Et je pense qu'il va falloir des fuites de suspension. Mais là, pour l'instant, c'est un peu tout en fait. Antimatière et fuite de suspension, ouais, c'est ça. D'accord, ok, donc fuite de suspension et plutonium. C'est parti. Fuite de suspension, il est là. Hop. Donc il en a besoin de deux, il me semble. Bon, de toute façon, il en vend que deux. Voilà, du plutonium j'en ai pas assez. What? Qu'est-ce que c'est? Ah la salope. Putain, je vais la défoncer. Hey! Allez, salut. Hop. Bon, faut du plutonium, putain, j'ai un peu d'or encore. Oh, ta gueule avec ton inventaire plein.
Ah, c'est du tomium ça? Allez, ça y est. Putain, ils sont deux, sa race. Ils sont deux, les enfoirés. Ah. Putain, en plus, mon multi-outil, il fait que dalle de dégâts. Ah bah attends, je vais faire hop. Peut-être qu'avec ça, ça va aller plus vite. Voilà, et oui, parce que je l'avais réparé. Ouais, d'accord, ça c'est de la nouvelle techno. Ok, ça. Ça, machin. J'ai plus de place dans l'inventaire. Alors, vas-y, mets un peu ça, 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 ça. Hop, voilà. Neutrinos, très bien. Il me faut... Merde. Donc avec X on change. Ça j'ai mis un moment à le capter dans ma première session de jeu. Parce que rien n'était niqué forcément. Après quand on sait c'est facile. Là j'avais tout pris ou pas? Non, j'avais rien pris du tout. Ah oui là il faut le pass Atlas. Voilà. Une petite sauvegardation. Ensuite... Température nocturne extrême détectée. Très bien. Alors, ici. Oh, j'aurais pu mettre le blindage, je suis con. Plutonium. Voilà. Ensuite, on a dit vaisseau. On a dit fabrication antimatière. On va le faire de suite. Voilà. Et donc, derrière, il nous faut. Tomium. Ah mince, c'est vapeur électron. Ah oui, j'ai pas encore le truc pour l'antimatière, c'est vrai, j'ai pas encore le plan. C'est vrai. Bon, j'aurai au moins déjà ça. Ça va me prendre un peu de place, mais c'est pas grave. Ici c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a pas de petit... Ah si, là-bas. Putain, qu'est-ce qu'on court, mais comme un... Force sentinelle désaffectée. Il y a intérêt. Désactivée, plus désaffectée. Oui, tout à fait. Tout à fait, désactivé, désaffecté. Aïe, aïe, ouf. Putain d'étape de voyage de merde là. Dégage. Putain, si on pouvait le supprimer ça, il faut absolument un mod. Alors avis aux modeurs qui vont regarder ma vidéo. Est-ce qu'on peut supprimer cette alerte? Ou alors la modifier, du style on perd pas tout notre HUD quand ça arrive et tout. On peut encore cliquer sur les trucs. Alors... attends, j'étais parti sur quoi là? Ah oui, j'étais parti sur les mobs à la con, et ils sont partis où ces PD? Ils sont où? Merde. Oh, ils sont en l'air? Non. Là-bas, il y en a. Semble en avoir quelque part. Ah, là! Ah non, lui, j'ai déjà. Merde, je les avais pas tout à l'heure. Je vais essayer pour me faire de l'argent de trouver tous les trucs, mais si ça prend pas trop de temps, parce que j'ai pas envie de... C'est quelque chose d'assez chiant, je trouve, dans le jeu, ça, c'est de choper toutes les races présentes sur la planète. Je trouve ça assez chiant, en fait. Pas très réussi. Pas très réussi. Ah, là, il y a du 5. Oh, ta gueule. Alors, inventaire plein. Hop, vas-y. C'est bon, il y a de la place dans le vaisseau, c'est pas mal. Alors, putain, mais je suis pas fou, j'en avais vu des... Fuck la police. Bon, je vais remonter. Ça sert à rien qu'on reste là. Je vais me casser la gueule. Oh, c'est bon. Hop. Qu'est-ce que nous avons ici? Putain, mais je deviens fou, hein. J'avais bien vu des bestioles non découvertes. Bon. Alors elles ont dépopé, j'en sais rien. Si ça peut dépopé dans ce jeu, je sais pas. Bah, je pense que oui, je pense que ça pop à peu près... à côté du joueur, on va dire. Ou pas loin.
Ou pas loin. Bon, on va se barrer du vaisseau. Avec le vaisseau, pardon. On va se barrer avec le vaisseau. On va aller plus loin. En plus, là, ma protection thermique, elle en prend un coup. Il fait nuit. J'ai froid. Moins 86 degrés. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Allez, bouge ton corps. Oui, bouge ton corps. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ouais, il y a des trucs un peu ambigus, un peu pas très clairs dans ce jeu aussi. C'est le fait que on est censé être des explorateurs. Ah mais voilà, il y avait bien un monstre ici là. Fait un monstre, un PNJ. Ou alors il est sous la... Putain, je suis obligé d'y retourner, là. Désolé les gars, mais... Je sais que c'est pas fun, là, le gameplay, mais... Y'a pas une grotte ici, par hasard? Ce serait pas là-dedans qu'il est, ce bordel? Ah. Ah. Ah, le petit PD. Ah, le petit PD, il est là. Attends, genre, il a que deux pattes? Ah non, il a quatre pattes, mais... J'avais pas vu! Les pattes arrière sont un peu plus avancées au niveau du corps. Sur le haut du corps, plutôt. Ah, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Visiblement, il y a beaucoup de... Beaucoup de trucs marins, de trucs souterrains. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est dégueulasse. Oh, comment c'est bien dégueulasse. Bon, alors. On est où, là? C'est bon? On a découvert tout ce qu'on pouvait découvrir dans le coin, ouais. Pour m'attaquer, lui? Non. Bon. Ah, je vais découvrir ça, allez, pour le fun. Hop, allez. C'était par où? Là. Peu de plutonium, le plutonium de l'amour. Mince. Ah non, je me suis... planté, là. Je me suis planté de chemin. Donnez-moi une porte de sortie. Cours, cours vite. Cours vite, l'ami, cours vite. Cours vite. Envoyez votre vaisseau dans l'espace. Mais oui, on va y arriver, on va y arriver. On va y aller, on va y aller. T'inquiète pas, Janine, on y va. Pff, moins 75 degrés, les amis. Moins 75 degrés. Hop. Allez. Roule. C'est parti. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons dans le coin? Je crois pas avoir découvert toutes les... Je t'aima. Voyons voir ça. Hop, hop, hop. Ça c'est fait. Tac. Ouais, pff, je suis loin de les avoir toutes découvertes encore. Là-bas. Là-bas. Là-bas, j'espère qu'il y a un truc intéressant. Un truc pour... un scanner de détection, là. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Oui, il y en a un en plus. Il y en a un... Ah, mais c'est celui-là. Ah, mais c'est le truc que j'ai fait tout à l'heure, ça, non? Non. Ah non. Ils se ressemblent un peu parfois, bon, parfois même souvent. Ça devient un peu pareil souvent, mais c'est pas grave. Alors, c'est vrai que celui-là c'est le même qu'on a fait tout à l'heure quand même. Qu'est-ce que c'est? Accélération de recharge, réduit le temps de rechargement de lance-foudre. Ah, d'accord. Ça peut être pas mal, mais c'est pas une priorité quand même. Toi. Toi, t'es déjà vu. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, oui, il y a que dalle. Forcément, c'est comme l'autre. Ensuite, alors, un puce de piratage, c'est parti, ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Monolithe, donc on se concentre sur les monolithes, n'est-ce pas? Hop. Parfait. Parfait, parfait. Toi, t'es quoi, toi? Toi, t'es déjà vu. Toi aussi, t'es déjà vu. Oui, toi, t'es déjà vu. Tout le monde est déjà vu.
de plutonium, ça fait pas de mal. Hop, voilà. Donc, on va aller directement. On va essayer aussi de se concentrer sur trouver toutes les bébêtes. Je sais pas où sont. Pas grave, continue. C'est pas grave, un coup de boost. Allez. Merde. Pourquoi il veut pas booster? Voilà. Plaque. Vas-y, les petites plaques. Sur les plaines enneigées. Putain, il y a de l'iridium là-bas. De l'iridium. J'ai tendance à dire iridium, alors que c'est de l'iridium. Oh, on a même pas de stèle. Putain. Génial. Alors. L'empreinte du civilisation antique fut jadis absorbée par cet étrange édifice. L'histoire des Vikings jaillit dans la langue de mon propre peuple. Les nobles voyageurs seront épargnés. Leur voyage dans le cosmos ne sera pas entravé conformément à ce qui a été décrété. La volonté de Irk l'ordonne, les honorables Vikings honoreront le jugement et les croyances des anciens. Demandez de l'aide pour comprendre la langue. Mais bien sûr, oui. Alors là, je lis un petit peu, mais bon, ça me saoule un peu, à vrai dire, mais c'est pour vous. Alors, je sais que vous savez lire. Moi, j'ai du mal à lire, déjà. Je suis pas un pro de la lecture, mais bon, on sait jamais. Peut-être que ça peut vous plaire. On ne sait pas. Peut-être qu'il y a des... Il y a des non-voyants, je sais pas, parmi nous. Des non-voyants qui regardent des let's play, pourquoi pas, hein, mais pourquoi pas, mais oui, tout à fait, et tout à fait. Pourquoi qu'on gueule? Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors je vais pas tout faire, hein, les amis. Si on voit que simplement on peut pas choper les bébêtes, il y a un truc là-bas. Hop. Ah mais c'est peut-être le truc, oui, c'est là où on vient en fait. Là il y a de l'or, mais on va pas le prendre, j'ai pas envie d'aller miner. Voilà, le but dans ce jeu c'est ça. C'est que les gars disent ouais c'est chiant, c'est répétitif, machin. Mais le but c'est tout simplement de pas faire ce que t'as pas envie de faire, quoi. Tout simplement. Tiens, là il y a une... Hop là, qu'est-ce que c'est que ça? On va se poser là. Bah, le but c'est... Tu fais, tu vis... j'ai envie de dire au jour le jour, mais bon là du coup ça serait plutôt de minute à la minute, quoi. C'est-à-dire que tu fais ton truc, voilà, tranquille, tu fais ce que t'as envie de faire. Si t'as envie de te balader, tu te balades. Si t'as envie de choper des stations, tu vas choper des stations. Si t'as envie d'aller récolter, miner, tu vas récolter, miner. Enfin, tu vois, voilà. Et là, moi, je fais un peu aussi comme... Ah, j'ai pas de passe. J'ai pas le passe. J'ai pas encore le passe. On va le trouver, le passe, mais pour l'instant, je l'ai pas. Restaurer, voilà. Chien. C'est dommage que les stations ne soient pas bien plus grosses. Moi, je me serais bien vu explorer des stations genre énormissimes. Des trucs... Mais bon, je pense que ça va arriver. Je suis confiant. Les développeurs ont pas l'air d'être trop débiles malgré leur communication complètement débile. Ça, je vous l'accorde. Mais ils ont pas l'air trop débiles quand même. Alors bon, je pense que... Ils ont l'air de se grouiller un peu. Voilà, ils sortent des patchs et tout assez rapidement. Alors, analyser le journal de vol, alors, bien sûr. Je découvre quelque chose codé de la méandre du journal de bord d'un voyageur mort depuis longtemps. Il a laissé de quoi faciliter mon propre voyage. Module de santé. Accroît la santé de l'utilisateur en cas d'échec des systèmes principaux. D'accord, c'est pas forcément une priorité. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est de quoi augmenter mon inventaire. Putain, il fait chier ce truc-là. Bon, il y avait pas grand-chose là-dedans. Il y avait pas grand-chose. Hop, voyons voir. Là-bas, il y a des alliages. Ah oui, c'est les caisses. S'il y a du neutre. Du neutral. Neutral. Jean-Claude Van Damme. Neutral. Les pommes, c'est bien. Ça contient de la pectine. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Non, il n'y a rien là-dedans. On se casse, les amis. On se barre. On fout le camp. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle à part des sentinelles à la con. Ah, il y avait un truc là. Ah, je vais quand même par acquis de... Il est où?
Attends, j'ai pas rêvé, il y avait bien un... Je l'ai pas là. Ah, il est là. Ah, bon, on l'a déjà vu. On le connaît déjà. Pas intéressant. Bon, on va en faire un dernier. Ah merde, carburant, propulseur, machin. Hop, ici. Plutonium, voilà. C'est pour ça que je prends toujours du plutonium. Parce que on tombe toujours, systématiquement, en panne de propulseur de décollage. Et le plutonium, c'est le plus commun, c'est le plus rapide à prendre. On en prend, voilà, on passe au passage, tac tac tac, un petit peu. Et puis, ça fait le taf, quoi. On va aller là. On va aller là. Ça a pas l'air super. Sauf s'il y a un truc de vente, s'il y a un truc d'or à côté, bon pourquoi pas. J'ai pas tellement envie de me trimballer de l'or. Non, y a pas de truc de vente déjà, ça c'est fait. Y a même que dalle. Y a quoi là-dedans? Y a rien. Ah bah si, y a un truc de vente. Haha. Voilà, donc on va les miner un petit peu encore. Mais bon, ça permet de faire de l'argent. C'est pas mal. Je vais mettre, de toute façon, dans mon vaisseau, plus de place, il me semble. Ouais, bon, on va les vendre. Bon, j'ai de la chance de trouver des stations de vente, hein, comme ça. Normalement, j'en trouve pas autant sur les planètes. Alors, je vais pas vendre ça. Vendre le platine, ouais, allez, je vends le platine. Parce que j'en ai rien à branler. Ça va servir pour les améliorations, mais bon. Pour l'instant, on en a rien à foutre. Est-ce que je peux éventuellement... Voilà. C'est ça que je voulais. Donc maintenant, on va aller minache. Il est où? Ah, je connais pas celui-là. Ah si, je le connais. Fuck. Fuck la vie. Fuck la vie. Et aussi, je les connais, je suppose. Voilà. Alors... En parlant, tiens, on va parler de Star Citizen. Est-ce que vous êtes renseigné? Est-ce que vous avez suivi un peu la Gamescom qui vient de se finir? Moi, j'enregistre cette vidéo le dimanche même, donc le dernier jour de Gamescom. Et Star Citizen nous a fait vendredi une présentation du patch de l'Alpha 3.0 qui arrivera en fin d'année, qui est absolument magnifique. C'était un truc de dingue. Alors voilà, le vaisseau en temps réel avec la station, le mec à l'intérieur de la station et tout, pour être génial quoi. Alors, le procédural, planète procédurale et tout, c'est un truc de dingue. J'étais hypé comme un gamin de 10 ans devant jouer club quoi. C'est vraiment ça quoi. C'est un truc de balade quoi. Ensuite, seul truc qui m'a fait un peu peur, c'est le système de... Et le système à la con là, le système de... Je sais plus comment on appelle ça, le système de menu, quand on clique sur quelque chose, il y a marqué accept, décline, enfin decline, pardon. Ce genre de truc là, ça j'ai pas trouvé ça hyper top. Je sais pas, j'ai pas d'idée pour comment ils pourraient faire mieux que ça. Et là j'ai pas trouvé ça hyper top quand même, c'est pas... voilà. C'est pas génial. Ensuite, il y a aussi le nombre de FPS. Alors ça, je sais que ça va être grandement amélioré d'ici là, parce que là, c'était voilà, c'était que l'alpha, et puis ils ont sorti ça, à mon avis, un peu à la hâte aussi, histoire de faire plaisir aux backers et tout ça. Mais bon, c'est bien, mais il y a un petit problème de FPS, quoi. Enfin. Il n'y avait pas de chute, il n'y avait pas de gros freeze, de gros drop. Vous savez, genre l'image fait une image par seconde et puis après revient. Arme déchargée, multi-outil. Recharge mon arme s'il te plaît. Voilà, cellule d'énergie c'est parfait. Ah merde, ah, putain. Je pensais que ça allait un peu de carbone, encore du carbone. Voilà. Ouais. Ouais, donc concernant les FPS, ouais, c'était quand même assez mou. Niveau FPS, à mon avis, on était... à 25 FPS, peut-être grand maximum, hein, je pense. Hein. C'était pas la méga fluidité de la vie, quoi. On tournait pas à 50 FPS, quoi, ça c'est clair. Bon, en revanche, quand même, bon, le contenu en lui-même, pouah, cette claque, quoi. Cette claque. Oh là là, l'entrée dans l'atmosphère et tout, c'était génial. Ah, il me tarde d'y jouer. Je vais commencer à vous faire des vidéos, d'ailleurs, hein, sur Star Citizen. Hein. Sur la 2.5 là, vu qu'elle vient de sortir, je vais commencer à faire des vidéos sur la 2.5. Ça va être fun, on va s'amuser. On va découvrir ça fait longtemps que j'ai pas joué. Moi j'ai backé le jeu
J'ai backé le jeu quelques semaines avant la sortie du... Non, pas quelques semaines, qu'est-ce que je dis ? J'ai joué un moment... oui, à quelques semaines avant la sortie de l'Arena Commander. Voilà. Donc là, j'ai tout miné, on est d'accord. On va aller vendre tout ça. Ouais, j'ai pledgé le jeu quelques semaines avant l'arrivée de l'Arena Commander. Donc j'ai commencé avec juste le hangar, mais bon, ça va. Ça n'a pas duré longtemps. Comparé à certains qui ont pledgé le jeu, backé le jeu beaucoup, enfin il y a genre en 2013, quelque chose comme ça. Alors là, c'était. Le mec, il a dû se contenter de rien pendant longtemps et de rester dans le hangar. Après, c'était un peu. Ça devait être un peu la misère. Bon, mais là, maintenant, vu le contenu qui va arriver, là, le jeu, il a calmé tout le monde. Les détracteurs, tout ça, tous ceux qui disaient, ouais, le jeu, ça va tomber à l'eau, c'est trop ambitieux et tout ça. Regarde l'ambition, mon pote. T'as vu l'ambition un peu ? Allez, vas-y, prends tes dents, ramasse tes dents, reviens demain. D'accord ? Surtout, ne joue pas au jeu parce que tu veux nous emmerder. Et nous, on va passer des moments, des méga moments en jeu, quoi. Voilà. C'est un peu ce que j'aurais envie de dire à ces gens-là, quoi. Alors. On va vendre l'or. Voilà. Comme ça nous fait un petit peu d'argent. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Qu'est-ce qu'il y a là ? Carbone. Bon, il n'y a rien de spécial. Bon, j'ai pas trouvé les petites bébêtes, hein. C'est pas grave. On s'en fout. C'est dommage parce qu'il y avait quand même 200 000 à la clé. Mais bon, j'ai pas envie de courir après les... Qu'est-ce que je fais ? Je cours après les... Bon, non. On aurait la foutre. On se casse direct. On va peut-être, si je sais ce qu'on va faire, on va ressortir de l'atmosphère. D'ailleurs, il y a du zinc là. Voilà, c'est ça qui m'emmerde. C'est que vous voyez, tant qu'il y a ça, je peux pas rentrer dans mon vaisseau. Ça me gonfle. Voilà, on va sortir de l'atmosphère. De l'atmosphère, pardon. Et le ciel aussi, il est dégueulasse. Putain, le ciel est tout pixelisé. Je sais pas, je vais essayer de le changer pour la prochaine vidéo. On verra si je peux essayer de faire quelque chose avec ça. Voilà, là je suis un peu... Non, il faut que je sorte carrément de l'atmosphère. Voilà, il est content, il me refait chier encore avec ses bandes noires. Voilà, je fais un petit scan. Je vais voir s'il me trouve quelque chose d'intéressant. Comment ça, il me dit non découvert là ? Pourquoi il me dit non découvert ? Tant pas fait. Je fais un petit scan et y a rien. Bon, très bien. Non découvert ? Pourquoi il me dit non découvert ? C'est un bug ça ou quoi ? Bon, bref. Bon, ben visiblement, il n'y a que dalle. On est d'accord que... Bon, il n'y a rien. On se casse. On va aller à la station spatiale. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? La station spatiale. Ouais, juste pour voir le type. Allez, on va voir le type à la station spatiale. C'est parti. Un petit coup d'activation, propulseur, machin. Ouais, mais là, non. Là, non. Là, on est carrément pas dedans. Ici, voilà. C'est parti. Ouais, on va aller voir le gars à la station. On va essayer de choper le plan. Je me rappelle plus comment on le chope, le plan. Ça date tellement d'il y a longtemps. Comme je vous ai dit, ma partie d'avant, j'ai fait 300, à peu près 200 heures dessus, un truc comme ça. Ah, j'ai. Par contre, c'est, c'était presque du... C'était, allez, ça dépend quand j'avais le temps que j'avais pas le temps. C'était genre du 5 ou 10 heures par jour, quoi. Donc, bon. Hop. Ah non, mais là, le truc, il est là-bas. Hop. Ouais, le jeu est plus beau que quand je l'ai commencé dans ma première partie, ça c'est clair. Parce que je l'ai tweaké et tout, donc... Rien à voir. Rien à voir à comparer au truc dégueulasse. Alors il y a de l'aliasing que j'essaierai de voir si je peux augmenter un peu les... La résolution sans perturber le jeu. Mais après, bon, du coup, je serai plus à 60 FPS, quoi. Je serai à 30 et ça fait chier. Là je suis à 59, vous voyez, je suis à 60 là, je suis à 60 FPS. Alors c'est parti. Oh merde. Oh, c'est bon. Alors mec, qu'est-ce que tu me dis ? T'as une belle tête de vainqueur. Alors. Important. Je suis l'important. Alors, je vais lui donner... j'en sais rien.
Alors, attends. Les narines du guerrier, il inspire profondément et aboie ce qui pourrait être. Dis-moi, je me dépêche de mimer que je viens en paix et que je connais mal son espèce et sa langue. Il réfléchit une seconde, puis attrape soudain mon multi-outil en aboyant devant ma visière. L'aspergeant de salive, il désigne l'indicateur affichant les éléments que je transporte et je m'efforce de rester calme. Bon, ben j'en sais rien, je vais lui donner ça. Le guerrier grogne, il m'assigne quelques mots, d'accord, ok. Des fois ça peut rater, là j'ai eu de la chance, mais enfin. Voilà, alors là, hop, on va faire. Où c'est qu'on peut prendre le. Ah, c'est bon. C'est bon, j'avais assez de carbone sur moi. Chien, oui, d'accord, tais-toi. C'est un peu. Alors, demander des soins, nouveaux mots. Alors, moi, ce que je veux, c'est un nouveau mot surtout. Parce que je veux savoir ce qu'ils disent là, parce que là, c'est. Parfois je le sais, parfois je le sais pas. J'avais sur ma dernière sauvegarde, je m'étais pas tellement concentré sur les mots et j'en connaissais, mais pas tellement. Ça c'est les atlas, on s'en fout. Pour l'instant en tout cas. Ok, c'est parti. Hop. On monte là-dedans. Un coup de map. Allez, c'est parti. Un coup de map, on dégage. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Ah ouais, nous avons pas grand chose, c'est vrai là. Était né à voir le centre de l'univers. Ouais, moi c'est l'Atlas que je veux en fait. Mais là pour l'instant je l'ai pas en fait. Pourquoi? Je me rappelle plus. Qu'est-ce qui débloque l'Atlas? Je me rappelle plus. C'est pas grave. On va aller là. Et, ouf. Ah oui, celle-là, c'est la planète glacée. Et voilà, là les textures sont bien mieux de l'extérieur, quand même. Elles sont bien mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, je voulais regarder un peu l'inventaire, le vaisseau. Ici, le vaisseau, qu'est-ce que nous avons? Ah ben, j'y suis déjà. J'ai pas assez de place, vas-y. Mets ça dans l'inventaire. Ici, nous avons réfrigérant. Le temps de recharge du laser rayophasique est fortement réduit. D'accord, il me manque du platine, en fait. On s'en fout. Exocombinaison. Là j'ai quoi? Ça il me le faut ça. Ça obligé. Il faut que j'aille choper du fer. Il me le faut. Le module santé accroît la santé du. Ouais bon ça pourquoi pas, mais c'est pas une priorité. Et au niveau du multi-outil. Pour l'instant il me faut du fer. Au niveau du multi-outil. Je fais ça. Ah putain, il faut que je le. Faut que je le démonte pour le remonter. Bon tant pis. On va aller se pécho. On va aller se pécho. Une autre. Qu'est-ce que c'est ça? Ouf. Ah c'est de l'émeril, ah ben voilà. On va aller miner l'émeril là, histoire de faire un peu d'argent. Encore. Parce que l'argent c'est la vie. Il y a un peu d'inertie. Et puis c'est bien plus facile à miner, je vous conseille. Si vous voulez faire de l'argent, faites de l'argent en minant avec le vaisseau. C'est plus, y a plus de... On chope plus de minerais à la seconde en fait. C'est bien plus facile et puis c'est plus facile à trouver aussi. Il suffit de mettre un coup de boost, d'avancer un peu. Quand on voit un astéroïde qui est un peu plus grand que l'autre, que les autres, et boum on y va et puis... Et on tape et puis voilà, ça fait du... Ça fait des chocs à pic quoi. Et en plus c'est vrai. Ça fait vraiment des chocs à pic. On dirait vraiment des chocs à pic. Ça c'est clair. C'est clair et net. Donc voilà, je ferai des petites vidéos sur... sur Star Citizen. Alors toutes mes autres... c'est quoi ça? Ça c'est du Tomio. C'est normal, c'est rien de spécial. Bon, mais on va se barrer là-bas. Au pif. Mais alors vite fait, on va juste faire un tour, on va prendre un peu de fer. On va voir, voilà, pour améliorer, mais vite fait, on va pas s'y attarder. Faut que je regarde le petit le tutoriel aussi là. Voir ce qu'il me dit. Parce que ça va être ça qui débloque l'Atlas et tout. Four, three, two, one. Ignition.
Oh là là. Oh là là, ça ressemble à la planète bien pourrie. Ou la planète à farm. Parce que des fois, il y a des planètes comme ça qui sont pas si pourries que ça. C'est-à-dire, ce sont des planètes faites pour farmer. Concrètement, c'est fait pour ça. Quoi. C'est-à-dire qu'elles ont genre des... Oh non, il faut que je change ce ciel. Il est dégueulasse. Obligé. Elles ont des... je sais plus comment on appelle ça. C'est des boules de... Boules de gravité ou des trucs... Qu'est-ce que c'est ça? Je vais me poser là, en random, complètement en random. Le paysage est pas mal. J'aime bien ces genres de paysages. Comme ça, on dirait un peu alien. Vous voyez ça, la planète alien là. Moi, je kiffe ça. Moi, je kiffe. Ah, ben voilà, on est tombé à côté de. Putain, eh, sans faire exprès. Alors là, vraiment. Vraiment, je suis un bon. Oh putain, la tasse de merde. Ouais, alors elle avait dit. Putain, il y a un truc d'Emeryl qui. Pas mal. Oh! Oh! Un pénis. Un pénis volant. Un pénis sautant. On va créer une. Une carte. De piraterie. Et non, on a plus de fer. Oui, bah, du fer, il y en a partout là. Ça, c'est du fer, non? Oula, mais ils sont nombreux. Oh, c'est mignon tout ça, dis donc. Alors, il y a un ananas. Chaud ananas. Et il y a un champignon. Il y a un champignon sauteur. Alors là, on est vraiment dans le cartoon, par contre. C'est le pays des cartoons ici. Alors, survie. Système de survie. Plutonium, ça va, j'ai la dose de plutonium, j'ai ce qu'il faut. Ensuite, ici, il va falloir charger avec... oui, ça, on le sait. Pas pour soin de le dire, on le sait. Voilà. Sauvegarder votre progression et revendiquer la découverte. Oui, oui, ça je sais faire, Lali. Je sais faire, je revendique. Regarde, tu vois, regarde, je revendique à fond, là. J'arrête pas de revendiquer, là. Tu vois, je revendique, là. Voilà, hop. Oh, t'as vu comment je revendique, là. Voilà, hop. Voilà, alors, on va sauvegarder. Hop. Il est où le bordel? Il est là. On va sauvegarder. Ça c'est fait. Ensuite, on va où? Ensuite, il nous faut du fer. Il nous faut du fer. Là-bas, là, c'est du fer là-bas. Voilà. Oh, mais j'avais pas vu ça! J'avais pas fait gaffe. On va avoir un emplacement de plus. Ce qui est parfait. Mais bien sûr que je veux. Mais oui. Il est fou. Bien sûr. Alors. Puce de piratage. La puce de piratage. Non, c'est pas ça que je voulais, l'ami. Donne-moi la puce de piratage. Voilà. Chercher des points d'intérêt. Alors on a dit, on va par contre reprendre un avant-poste colonial. Parce que ça me paraît assez important, là on est un peu dans la... On fera les monolithes un peu plus tard, parce que là on est un peu dans la mouise niveau... niveau recherche, nouvelle recette de produits accessibles. C'est bien, mais... Là, putain, ça me fait chier. Je vais enlever le lance-foudre, il sert quand même. Concentrateur de rayon. Ouais, mais non, ça, je peux pas l'enlever, ça. Bon, tant pis. Je vais reprendre un peu de fer. Voilà. Normalement, je peux améliorer... Ah, putain, voilà. Ça, c'est bon. Amplificateur d'endurance. Au moins on est pas dans la merde. Et ça, module de santé, bon on le met, voilà, au cas où. Et dans le vaisseau... Oh putain, il me scanne l'autre. Ah, tous les deux ils me scannent en plus. Ils sont pas vénères. Ok. Ça c'est bon. Ok, on se casse. Et hop. On va aller... Ah fuck la vie, putain.
Moi j'attends comme un con que ça décolle. Fuck la vie, non, le vaisseau, je veux le vaisseau. Voilà. Ici. Ah ! Ah non. Putain, à chaque fois je me fais peur. C'est pas celui-là que je veux, c'est le décollage. Voilà. C'est parti. C'est parti. Allez, un petit speed. Un coup de speed. Voilà. C'est parti. Oh putain, à chaque fois, je sais, je me répète, mais alors le ciel tout pixelisé là, oh c'est dégueulasse. Oh, il faut que j'arrive à le changer ce truc là. Quitte à faire la texture moi-même quoi. Ou à faire les textures parce qu'il y a beaucoup de couleurs de nuages différents, je suppose. Alors. Ici, c'est là. Qu'est-ce que nous avons? Est-ce qu'on a de la place un peu dans l'inventaire ou pas? Ça a l'air. Ça a l'air. Enregistre-moi. J'espère qu'il y a un truc de... pour se regarder là-dedans. Oh, il y en a rarement, je pense. Là-dedans, il y en a rarement. C'est plus dans les abris qu'il y en a. Il me semble. Là, il n'y a rien, là. Ah, putain, si, tu vois. Ça, c'est le même... c'est la même bite sur patte, mais en version... la version avec des oreilles. Une bite avec des oreilles. Je sais pas si vous arrivez à imaginer le truc. Moi, très bien. Et ça me fout la gerbe. Hop, allez, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, c'est là où il faut taper les trucs. C'est vrai, j'avais oublié ça. J'avais oublié. On va aller là, ouais, Bioti. Allez, lance-foudre. Vas-y. Oh, oh putain, la vache, c'est trop long. Hop, oh, merde, recharge. Oh, oh putain. Oh putain, je vais faire défoncer la gueule. Oh putain, esquive, 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 esquive. Oh putain, full chaleur, full chaleur. Un peu d'action les amis, un peu d'action. Oh là là, oh là là. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, fais pas chier. Fais pas chier. Oui, oui, ça va, je sais. Il est où l'autre? L'autre, il est bugué, il est là-bas. Il est bugué, il est bugué. Voilà. Aucun emplacement lié dans la combinaison et je suppose que dans le vaisseau c'est la même salade. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que j'ai chopé là? Module de neutrino, ok. Une technologie, qu'est-ce que c'est? Lance foudre tôt, ok. Et inventaire plein, ok d'accord. Bon alors, il faut recharger le lance foudre. Pareil, le lance foudre c'est pas quelque chose que j'ai... que j'ai utilisé souvent. Oui, ça va, je sais, je sais. Ah putain, ça rase, maudite. Oh, fuck, la vie. Oh là là, je suis en mauvaise posture. Je suis en mauvaise posture, les gars, je suis en mauvaise posture. Hop, on y va. Exocombinaison. Vite, 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 vite. Non, oh putain, je peux pas. Bon, je me casse. Je me casse. Je me casse, les gars. Je me casse. C'est la fête du slip. C'est la fête du string. Je me casse. Alors là, j'ai chié dans la colle. Là, j'ai vraiment chié dans la colle. Qu'est-ce que je fais? Alors, attends. Normalement... Et ça, c'est mon bouclier déflecteur. Mais non, ça c'est le vaisseau. Ouais, il faut que je me remette full vie. Mais là, je peux pas, malheureusement. Là, c'est un peu la merdasse. Un peu la merdasse. Est-ce que les sentinelles vont me foutre la paix ou pas? J'ai des doutes. Je crois pas. Je ressors. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ferrailleur. Très bien. Un petit peu de drop de FPS là quand même. Ah ça va. Ah j'ai un peu chaud, je vais ouvrir la fenêtre. Bon. Alors au niveau santé, c'est la merdasse. Au niveau santé, c'est la merdasse. Ouais j'ai fait un peu de la merde là quand même. J'ai fait un peu de la merde, là j'avoue, pas top, pas top. Viens là toi. Ok, on va sauvegarder. J'ai pas envie de crever, même si ça a pas beaucoup d'importance. Enfin, je sais pas si on changeait des choses depuis, mais...
Normalement, ça n'a pas énormément d'importance. J'aimerais ne pas crever, c'est possible. J'aimerais ne pas crever. J'aimerais ne pas crever. Alors, je sais pas pourquoi mon multi-outil se décharge lance-foudre. Ah ouais, se décharge super vite. Ça, ça fait chier. Ça fait chier à tel point que je pense que ça va être plus utile de faire ça. Je sais, unité machin. Ah, salaud. Fuck, putain, ils sont tous sur la gueule là. Ah, elle picote quand même, hein. Au début du jeu, ça picote, hein. Ça picote un peu. J'essaye de bouger, de sauter. Voilà. Histoire d'éviter les coups, les tirs. On va y arriver. On va y arriver. Ouais, c'est un peu laborieux là, quand même, au début. C'est un peu laborieux de sa mère. C'est un peu laborieux. Moi, j'aurais bien aimé choper des. Parce qu'avec ça, on chope pas mal de plans. Voilà. Comme ça, par exemple. Inventaire plein. Sa race maudite. Alors, fais voir. Dans le vaisseau, qu'est-ce que j'ai? J'ai du carbone que je peux jeter. Pas forcément besoin. Ah, mais là, je peux. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà, parfait. Ça, c'est bon. Alors. Ici, il y a quoi? Ici, il y a quoi? Ici, il y a quoi? Ok, bon, mais on va continuer, hein. On va y aller, on est obligé, de toute façon, on va finir, hein. Maintenant qu'on y est, on va taper comme ça. On va essayer de se cacher pour en faire le plus possible. Et voilà, ils m'ont trouvé. Ah, salope. Elle m'en mettre plein la tronche. Désolé si je suis grossier. Là, ça pue un peu du cul pour ma tronche, en fait. Voilà. Bon, c'est bien. La bonne chose, c'est que je trouve des plans. Ça, c'est pas mal. Encore un plan. Chargeur lance-foudre. Je devrais peut-être... Ah, mais j'ai pas assez de place. Bon. Si, je devrais peut-être m'en équiper de là, hein. Chargeur lance-foudre machin, rayon sigma, ça je le démonte. Et ici, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut du zinc, pour le chargeur sigma ou tau. Capacité du chargeur de lance-foudre est encore accrue grâce à l'ajout de chambre cylindrique. Chargeur de lance-foudre est accrue, ok. Je vais mettre celui-là si je peux. Non, voilà, il faut du nickel, machin, c'est pas la peine. Plutonium, tissu à micro-densité. Ok, qu'est-ce qu'il faut pour faire des tissus à micro-densité? Ouais, là, forcément, j'ai pas de... Bon, tant pis. Allez, de toute façon, on a bientôt fini là. On démonte, c'est la fin. Voilà, hop. Ça, nous emmerdons plus. Alors, ici, technologie. Portée plus. La portée de détection du scanner est accrue. Ok. Ici, isotope. J'ai l'inventaire plein de toute façon, donc allez vous faire foutre. Ok, on va se laisser là. Enfin, on va pas se laisser là, on va faire ça. Alors, l'alarme a verrouillé le terminal. Des scanners de sécurité apparaissent et se tournent lentement dans ma direction. Un message s'affiche lettre par lettre sur le terminal. Coupez les capteurs de chaleur, coupez l'alarme, coupez l'alimentation des caméras. L'alarme est verrouillée, le terminal des scanners de sécurité apparaissent et se tourne lentement en direction. Lettre par lettre sur le terminal. Alors, couper l'alimentation des caméras, qu'est-ce qu'on fait? Non, ça c'est de la merde. Couper l'alarme, c'est de la merde. Couper les capteurs de chaleur, peut-être. Oui. On y va. Ah, fuck. Bon, je me suis loupé. Je me suis loupé. Tant pis, c'est pas grave. Bah, je pourrais recommencer, mais bon, j'ai un peu la flemme. J'ai pas sauvegardé assez loin. Assez proche, plutôt. Oh putain, les salopes, elles sont là. Bon, mais en ce cas... Ah non, il y a ça. On va remettre full. Bon, on va se casser, hein. Pas la peine.
Pas la peine de rester ici. Bon, tout ça pour ça. Bon, je suis désolé. J'ai chié carrément dans la colle à tous les points de vue. Je chiais partout. Pas grave. C'est pas grave, on se casse. Activer l'hyperpropulsion, ouvrir la carte de la galaxie. Ok. On va aller sur la station spatiale. Parce que là, il faut vendre. Ah putain, il y a du. Je vais aller chercher ça. Chercher ça, hop, ah oh, putain, c'est vrai, fuck la vie. Ah, mais ça, c'est important. C'est titanium. Allez, ça lui dégage. Ok, alors, ouf, ah, ben voilà, là, il y a un truc pour vendre et tout. Bon, par contre, il y a déjà un vaisseau, on va se poser à côté. En fait, il suffisait d'aller juste à côté, quoi. Tout con. On va aller vendre nos produits. On va aller vendre, enfin, nos produits, quelques produits. Ce qu'on a pu sauver. Encyclopédie, parfait. Alors, ça, ça m'intéresse déjà. Parce que alors là, déjà, ça, 8 emplacements, 5. Alors là, affirmatif, je le prends direct, je cherche même pas à comprendre. Voilà, ça c'est bon, ça c'est la fête. Ensuite. Donc, ici, voyons voir le multitool. J'ai même pas regardé, je cherche même pas à regarder. Ok, là c'est bon. Intensificateur, machin. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, la visière d'analyse. Et ici, nous avons. Accélérateur de recherche Sigma. Constant. Plus rapide des métaux. Ouais, ça je le veux. Voilà. Ça c'est bon, on est parfait. Un petit coup de vente. Bon, le jeu en tout cas tient plus longtemps au niveau des freezes que je vous expliquais tout à l'heure, là, le drop des freezes, le drop des du framerate. Visiblement, ça a été réglé avec la nouvelle mise à jour. Alors, ça je vends. Derrière, ça je vends pas, ça je vends pas. Inventaire exocombinaison. Alors, faut que j'aille dans le vaisseau. Vaisseau. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire en fait. J'ai fait les conneries. Tac, 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 tac. Y a pas besoin d'autant d'ailleurs. Là, je suis en train de faire n'importe quoi parce que j'ai pas besoin d'autant. Ici, ça, je peux en vendre du tanium, je peux en vendre 500. Ah non, pas du tout. Je peux en vendre 19. C'est de la merde. Je vais le jeter. Non, putain, ah, j'ai fait n'importe quoi, mais non. Là, exocombinaison, alors. Non, vaisseau. Tu me transfères ça, ça. Ok, le plutonium, on est pas mal, on est pas dégueu. Le fer, niveau exocombinaison. Le zinc, iridium. Ok, ah, c'est bon. Alors, vendre. Vendre, vendre, vendre et vendre. Hop. Là on est bien, voilà, 323 000, voilà, je vous ai dit, ouais, ouais, doucement ça avance, doucement mais sûrement. Alors, étude, voilà, l'estime viking, nouvelle technologie, lanceur plasma. Alors ça c'est bien ça, lanceur plasma est hyper efficace, il me manque juste du carbone. Oui, j'en ai du carbone, je vais essayer d'en prendre ici. Ah mais j'en aurai besoin pour lui reparler après. Pff. Bon, j'irai en chercher dehors s'il faut. Est-ce que je peux... ah mais non, j'ai plus de place pour améliorer de toute façon. Voir système de refroidissement, espace encore davantage les temps de refroidissement du rayon d'extraction, ok. Système d'amélioration optique, visière, ah ouais, ça c'est là, on s'en fout. Intensité du rayon sigma, le laser rayon d'extraction, ok. Le laser rayon d'extraction est renforcé, ok, d'accord. Le laser, là, notre laser rayon d'extraction, il est à balle tunée, quoi. Oh, il est joli celui-là. Il est joli. On dirait un peu... On dirait un peu Predator, quoi. Predator Man. Et pas Uma Thurman, Predator Man. Refuser de remettre le... Si, si. Ah ouais, mais il va en donner un mieux, non? Bon, je lui donne. Ah merde, j'aurais pas dû acheter l'autre, et ça je le savais en plus, je le savais. Au tout début, ils font ça à chaque fois. Ah mais non, c'est bon, on peut comparer, c'est vrai, il me le donne pas directement. Ah, 10 emplacements, le nouveau. 10 emplacements. 10 emplacements, mais oui.
Mais carrément, on le fait, allez. Carrément. Par contre, au niveau des trucs, du coup, j'ai chié dans la colle aussi. Hein. Ah ouais, parce que du coup, je peux plus rien créer. Bon, on verra plus tard tout ça, on s'en fout. On verra plus tard. Maintenant, on peut réinteragir avec lui. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, on sait pas. Ube, injuan, egwedogia. Alors, ses lèvres se retrouvent sur ses dents dans le but de goûter à mon odeur. Le guerrier semble moins agressif que ce à quoi je m'attendais. Ça, c'est une très bonne idée, ça, je trouve. Le système de trouver les mots et tout ça, c'est une très bonne idée. Alors, demandez un isotope. Allez, non, demandez un nouveau mot. Voilà. Le guerrier accepte de m'aider. Il y a intérêt, sinon je lui mets une balle entre les deux yeux. Alors, ça c'est bon. Ah ben là, ben là c'était parfait là. Là ça nous a servi, vous voyez. Là c'était bien bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Camionneur spatial. Oh putain. Oh le titre. Oh le titre de ouf. Alors là, là il y a du titre là. Là il y a du titre. Tiens voilà, c'est ça, ça je déteste ça, putain, que ça aille plus vite quoi, c'est pas assez dynamique. Voilà. Alors, on avait chopé quoi là ici? Ah mais encore des trucs à vendre, on va les vendre. On va les vendre vite fait, on va prendre ça aussi. Voilà, pour se mettre bien, tranquillou. Hop. J'ai glitché un peu, c'est pas grave. Vendre l'ami, vendre, vendre, vendre. Hop, hop, très bien, merci. Merci de vous avoir connu, c'était cool. Alors, on va regarder un truc. On va regarder déjà au niveau planète, on en est où? Ouais, c'est un peu de la merde. C'est un peu de la merde. Ok, ça c'est bon. C'est un peu du caca. Voilà, il faut activer les machins propulseurs et ouvrir la carte de la galaxie. Alors, je vais essayer de suivre le... le tutoriel, là, voir si... qu'est-ce qu'il me dit. Voilà, là il me dit plus rien le tutoriel ou pas? Si je fais un petit scan, ça me dit quoi? Rien de spécial. Du caca. Ouvrez la carte de la galaxie. Alors qu'est-ce qu'il me dit dans la galaxie là, la carte? Il me dit rien de spécial. Il me dit rien de spécial. Là il y a trois planètes ici. Il y a trois planètes. Ah je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, quoi faire. Ah si. On va retourner à la station spatiale. Et on va voir si on peut pas acheter de ce dont nous avons besoin pour faire des sauts ultra subliminiques de la mort qui tue. Parce que là, là c'est un peu le merdier là quand même. C'est un peu le merdier. C'est la merdasse. Je me rappelle plus, putain. Alors j'ai beau avoir joué 200 heures, le problème c'est que je me rappelle plus du début du jeu. Comme j'étais un gros noob, enfin un gros noob, je commençais quoi, je débutais, donc du coup je me rappelle plus de ce que j'ai fait pour choper le plan déjà du le plan pour les hyper propulseurs, enfin pour les propulseurs de saut, et qu'est-ce que j'ai fait pour ah je sais plus. Pour avoir le truc de l'Atlas. Je m'en rappelle plus. Bon, tant pis. Tant pis, on va aller voir le mec. On va retourner voir le mec. On va surtout aller acheter peut-être ce dont on pourrait avoir besoin. Sinon, on ira voir les types directement au vaisseau. Parce qu'il y a des types qui arrivent progressivement. Ah, pourquoi je m'évente? C'est l'habitude. Alors, acheter. Acheter. Et ouais, mais tant que j'ai pas le... tant que j'ai pas le plan, je suis niqué, en fait.
Ah, fuck. Eh oui, tant que j'ai pas le plan, je suis niqué. Ah, je peux recréer un truc de bordel comme ça. Ok, je pense qu'il faut faire un truc spécial pour ça. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Est-ce qu'il vendrait pas de l'antimatière, lui, là-bas, là, qui vient d'arriver? Faire une offre pour le vaisseau, non, ça va attendre. Vendre les parties, non, acheter, hop. Je crois pas. Je crois pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Non, non, là je suis en train de forcer le jeu, la progression du jeu en fait. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Roule ma poule, roule Josiane. Ah merde, fuck, je sais pas quoi faire là. Je me rappelle plus. Ouvrez la carte de la galaxie. Bon, il est gentil, je joue la carte, mais le problème c'est que j'ai rien derrière. Bon, on va changer de galaxie, on va pas s'emmerder. Changer de galaxie direct. Allez. Mode libre, non, pas ça. On va voir. On va faire itinéraire vers le centre de la galaxie au début, en tout cas au départ. Alors par contre, ah oui, c'est vrai, il y a les classes de. Je me rappelle plus des classes de. Faut que j'aille voir le. Les classes des systèmes. Là c'est un G. Là c'est un G toujours. Ici c'est quoi? C'est. Ah ben de toute façon je peux pas sauter là. On va sauter au plus loin qu'on peut et puis tant pis pour le reste. Je peux sauter là? Ah non putain. En fait je vais même pas pouvoir sauter tellement que je vais pas avoir de carburant. Si là je peux sauter. Bon j'y vais là. Hop. On se barre, comme ça ça nous fait explorer un petit peu. On verra après. Ce qui se passe. Où c'est qu'on est, comment va la vie, tout ça. On est bien, on est tranquille. Pas le feu au lac, on va peut-être explorer un peu plus les planètes parce que j'ai l'impression que j'ai un peu rushé là. Ok, nous avons donc le space machine qui est là. Scanner. D'accord. Ouf, où ça? Là-bas. Très bien, on y va. On y va. Ah, j'ai augmenté le FOV aussi. Ce qui fait qu'on voit l'intérieur du vaisseau quand on speed. Mais enfin bon. C'est un peu moche du coup. J'ai l'impression que les commandes, voilà, après il n'y a rien. En fait, ils se sont concentrés sur le tableau de bord. Puis après, ils n'ont rien designé du tout. Bon, mais c'est pas grave. Hein. Je préfère avoir un FOV un peu plus large parce que le FOV a été un peu ridicule. La balise. Ou alors je sais plus si je vous l'avais dit, enfin j'ai commencé à en parler je crois. Au niveau de mes autres let's play, transmission de balise détectée, oui bon d'accord, il est gentil. Voilà, descend un peu l'ami, descend. Voilà. Alors, à quoi ressemble cette planète? À quoi nous avons affaire? Là on est un peu long, il faudrait ressortir de l'atmosphère. Voilà. Parfait. Hop, bientôt on pique, là on pique. Wow, là c'est pas par là que je voulais aller. Les commandes sont un peu cheloues parfois. Alors on a affaire à un désert, on a affaire à quoi là? Il y a une station à côté, j'ai bien l'impression. Hop! Alors, quel genre de planète nous avons ici?
Météo sentinelle standard, flore copieux, faune suffisant. Pluie alcaline. Ah, ça c'est pas cool. Oh, nous avons de l'éméril à côté. On nous allons miner vite fait. Normalement notre canon de minage il est genre en mode méga boost, donc ça devrait pas prendre très longtemps. Voilà, c'est bon. Ouais, donc je disais concernant mes autres séries, je les oublie pas, j'en fais beaucoup moins en ce moment parce que c'est un peu comment dire, je suis du genre à m'éparpiller énormément, c'est-à-dire je joue à beaucoup de choses, je change énormément de jeux, donc il est possible, c'est sûr même, Tomb Raider et Final Fantasy, j'y retournerai, ça c'est clair et net. Mais c'est pas des jeux déjà qui sont beaucoup hypés, tendance et tout ça, donc forcément je ramène pas beaucoup de viewers avec ça. Mais bon, je continuerai parce que j'ai envie de connaître la suite des choses. Oula, mais ah oui, mais il est bien plus gros en bas en fait. C'est pas grave, on prend tout parce que ça fait vraiment. Quand on remplit la soute de ce machin là, croyez-moi, derrière ça palpe. Ça palpe. Bon, là il y a un autre. Allez, on se casse. 25%, on va remonter ça. Voilà, comme ça fait un peu de place. Parfait. Alors. Ici nous avons. Mais je me suis posé loin en fait. Hein. Putain. Alors, ici nous avons quoi? Petit pas de visière d'analyse. Fuck la vie. Mais fuck la vie. Comment ça, pas de visière d'analyse? Visière d'analyse. Du fer. Oh la vache. Ça devrait suffire. Alors, visière d'analyse ici. Ensuite, concentrateur de rayon sigma, traitement plus rapide des matériaux. Encore, putain. Réduit le temps de chargement du lance-foudre. Ok. Pour l'instant, le lance-foudre, j'ai pas trouvé ça terrible. Donc bon, je l'avais pas utilisé trop à mon autre truc. Je préfère le. Comment dire, le. L'autre là. Je sais plus comment il s'appelle. Le lance-grenade ou je sais pas quoi. Il est plus efficace. Ici, nous avons quoi? Rien de particulier. Ah, fuck la vie. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un avant-poste. Bon, nous avons un avant-poste. Ici, il n'y a pas d'avant-poste, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Pas d'avant-poste, pas de caisse. Je m'éparpille, je dis n'importe quoi, n'est-ce pas? Toi, viens là. Oh, il est marrant celui-là aussi, il a des... Par ta gueule? Oh là là, il a pas de gueule en fait. Non. En fait, il a un cul à la place de la gueule. Cuman. L'homme cul. L'homme qui faisait des culs. Alors, ici, ça on connaît, ça on connaît. Ça on connaît, ça on connaît. En l'air, y'a rien. Oh. Je pensais qu'il y avait plus de trucs. On se casse. On se casse, on va au vaisseau. Bon, déjà on court plus longtemps, ce qui est déjà pas mal. Hop. Direction. Putain, c'est toxique. L'air est toxique, visiblement. Hop. Allez, descend. Putain, il y a une autre base là-bas, juste à côté. Il y a un bordel qui sert bien là. Ça sert bien ça. Hop. Alors.
non découvert. Je sais, t'inquiète, Janine. Ici, nous avons quoi? Je pense que ça va pas servir à grand chose qu'on le... 13 emplacements. Ah si, quand même. Ah putain, mais derrière, il faut que je re... Fait chier, ça. Bon, ben voilà, les amis, c'est tout pour moi. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, un petit pouce, ça fait plaisir et ça m'aide pour la motivation. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss.